me suis fait un petit camp, chaise, hamac. On prend du plaisir dans la nature. Santé. Pas très beau aujourd'hui, mais on prend plaisir. Alors, il est pas beau mon camp? Donc, vous pouvez reconnaître que je suis parti sur le principe du montage tente. Bon, j'ai pas trop tendu. On peut voir là que c'est pas du tout tendu. Sauf que j'ai, au lieu de fermer comme d'habitude, pour que ça fasse une sorte de tente, le côté droit, je l'ai ouvert et j'ai attaché à un arbre. Donc ça fait plus d'ouverture. Je trouve ça beaucoup mieux. Ça fait plus d'ouverture sur le paysage, sur la nature. Tester sur le terrain. Bon là, pas du tout de vent, pleut pas. Mais en théorie, ça devrait le faire. Se tenir bien assis. Je fais 1,85 m. Accroupi. Utiliser le réchaud, une assez bonne hauteur, réchaud à gaz, petit réchaud à bois, en faisant gaffe. Au top. Donc une toute petite pluie. Donc je suis content, je suis à l'abri. Allez, on va se balader un petit peu et on va rentrer doucement. Bon, ça arrive que ça tombe des poches aussi, hein. C'est pas que voulu. Hein. Un en moins. Ça, par contre, je vais avoir du mal à le prendre. Mais je sais ce que je vais faire. Comme je sais qu'il y a des voitures ONF qui passent. Je vais mettre mes barreaux. Ça, s'ils veulent passer, ils nous ramasseront. Tout simplement, il y a fin d'us. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à chasse? En 10 ans de calanque, j'ai dû voir 5 fois un sanglier. Il n'y a rien à chasser ici. Mort. Je sais pas, faites comme tout le monde, allez au supermarché, achetez un bon beefsteak qui vient d'Amérique du Sud. Que c'est pas les noisettes. Non mais sérieux, après il y a des coins où vous pouvez chasser et tout. La dernière fois il y a 158 sangliers en une battue. Il y a un chasseur, il pleurait, il disait c'était pas une chasse, c'était pas de la chasse, c'était un carnage, c'était. Les petits, les bébés, les mamans, tout, bim, bam. Pour moi, celui-là qui fait ça, c'est au même titre qu'un meurtrier. Si un jour il y a un gros big knockout, plus rien, plus de travail, les chasseurs seraient les premiers à manger de l'humain, je vous le dis. En tout cas, chasser de l'humain, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas tous les chasseurs. Il y a les chasseurs et les chasseurs. Il y a les chasseurs, pour se faire plaisir une fois dans l'année, ils se prennent un sanglier. Parce qu'il y a des espèces quand même où ils se reproduisent très vite dans les régions. Mais par contre, dans les calanques, laissez-les tranquilles parce qu'ils sont pas beaucoup. Hein. Enfin, peut-être je me trompe, mais j'en ai jamais vu moi. Voilà, c'était un petit message. Pas beau, hein, tout est gris aujourd'hui. Et on a un peu de couleur. Un joli petit arbousier,
bien enfouis. Alors moi je les préfère un peu orangés comme ça. Un peu croquantes. Quand elles sont trop rouges, trop molles, j'aime pas trop. Entre les deux comme ça. Ah il galère. Le pied principal est mort. Ça c'est le pied principal. Et la force de la nature a fait les multiples rejets qui sont un bourgeon. Si on va réussir à faire la mise au point. Bon, vous voyez bien que c'est des bourgeons. Et il monte jusqu'au ciel. Donc voilà. La vie après la mort. Serait-ce un signe? La vie après la mort. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Peut-être un incendie. Sûrement. Ce qui va nourrir la terre, donc c'est pas plus mal de les laisser en fait. Ça va nourrir la terre, ça va enrichir, ça va nourrir la terre, ça va faire vivre l'écosystème, les petits habitants de la terre, les champignons aussi. Ça aussi, ça peut être dangereux. On ramasse. L'animal il se met la tête dedans. One more.